Ladies and gentlemen, the session will now begin. Please take your seats. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage our moderator for this session, Senior Fellow at the Policy Center for the New South, Marcus Vinicius Freitas. Je sais que vous attendiez à quelqu'un d'autre, mais en fait, néanmoins, donc, repris mes fonctions et nous allons avoir une bonne discussion. Voilà, je retire mon badge. Nous allons inviter les quatre membres du panel et voir comment les choses se passent. Ruben, s'il vous plaît. Et John Sowers, la Grande-Bretagne. Milindyu de l'Inde. Et Monsieur Robert Védrine from France. Vous pouvez donc prendre vos places. Et une des choses les plus difficiles, les séances après le déjeuner sont les plus difficiles. Et nous j'espère que nous aurons une belle discussion. Et en fait, j'espère que les choses vont bien fonctionner, en fait, pour tout le monde. Vous avez vu, en fait, les différents sujets. Et je voudrais dire, en fait, qu'il y a trois leaders importants à ce niveau. Et ceci, que voulons-vous, qu'allons-nous faire? Vous avez un micro, donc il y a trois volontaires. Que va-t-on faire? Très bien. Je m'appelle Jacob Oma du Kenya. Et donc, une des choses que je voudrais poser, ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui? Et c'est très important en ce qui concerne les politiques. Et je voudrais, en fait, pour beaucoup de partenaires, lorsque l'on parle de Trump, de ce que Trump devrait faire, de la théorie, mais nous savons qu'ils ne vont pas adopter, en fait, nos méthodes. Maintenant, une voix féminine de ce côté, s'il vous plaît. Et bonjour. Je suis Daniela de l'Argentine et du côté de l'Amérique latine, on aime aussi savoir comment le pouvoir américain a influencé l'Amérique latine et le nouvel ordre.
on parle en fait des prochaines étapes. Nous avons de l'influence comme de nouvelles puissances comme la Chine et les personnes en fait sont des acteurs en fait qui ont surgi dans le monde et qui ont fait que nous sommes dans un contexte d'incertitude et j'aimerais donc demander quelles sont les influences et comment vont-ils influencer les autres pouvoirs et comment les choses vont en fait définir un nouvel ordre international et le futur. Et encore une personne supplémentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un leader émergent? D'où venez-vous? Je viens des États-Unis. Ma question, en fait, je vais en fait vous dire que souvent nous sommes en fait dans notre bulle aux États-Unis et voir comment on peut changer en fait cette perspective autocentrique parce que beaucoup de gens sont en désaccord avec Trump aux États-Unis et en dehors des États-Unis. Et j'aimerais savoir, en fait, d'une perspective internationale, quelles sont les questions en ce qui concerne, dirons-nous, les prochaines étapes pour le futur. Voilà, vous avez posé les questions. Maintenant, voilà la raison pour laquelle je veux, en fait, poser une question. Ce sont les questions des changements climatiques. Et en fait, malheureusement, en ce qui concerne les changements climatiques, les États-Unis ne sont plus le leader, ils ne sont plus le chef de file. Donc, après avoir entendu ce que vous avez entendu, est-ce que nous voyons la fin donc de l'ordre et nouvel ordre en fait mondial au niveau des États-Unis? Je viens de l'Inde et nous avons fait donc publier un livre et c'était le grand un roman indien et ce n'était ni un livre, ce n'était ni un roman et c'était simplement un ordre qui en fait était tellement différent et dans le Congrès américain ils ont dit cela dépend en fait d'où vous êtes en Inde, cela ne paraît pas un ordre libéral parce que c'était tellement sélectif dans l'application et les choses ne sont pas très ordonnées de la part des pays et des interventions de l'Ouest, parfois par les Américains et pas toujours menées par les Américains, ne nous ont pas apporté un ordre. La manière dont j'envisage cela, c'est que le monde a changé. En ce qui concerne, en fait, les taux de croissance, ils sont partis vers l'Asie et le sud-est asiatique. Il y a d'autres pays, il y a l'Indonésie, la Turquie, l'Inde. Mais comment est-ce que les gens pensent que cet ordre va continuer pour toujours? On sait que rien n'est éternel et qu'en fait, il doit y avoir des changements. Quels sont les changements? Quel est le type de discussion qu'on va avoir dans le futur? Et ces changements ne viennent pas à cause de ce que certains pays vont décider, mais c'est parce que changements en fait vont servir à la grande majorité. En ce qui concerne les changements climatiques, je pense que nous savons tous que l'accord de Paris, avant d'être signé, tous les objectifs devaient être réduits parce que le président Obama a dit qu'il ne pourrait jamais le faire passer au Congrès, à moins que ce soit accepté par le Congrès américain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses pour la communauté internationale. On doit en faire, faire face aux exigences des leadership américains. Et malheureusement, ce n'est pas toujours dû à des raisons positives. Les Nations Unies qui respectons et dont nous faisons partie, le Conseil de sécurité de l'ONU a dit en fait Taïwan était un membre parce que il ne voulait pas une Chine communiste qui soit en fait membre du Conseil de sécurité. Puis à un moment donné, lorsque les Américains ont revu leur approche avec la Chine, on a remplacé Taïwan par la Chine continentale. Et maintenant, il y a 70 ans,
on n'a plus en fait des réalités qui sont en accord avec ce qui est décidé dans le Conseil de sécurité. Quel est le nouvel ordre mondial? Et je pense qu'on doit réformer les choses. Et je pense que le secrétaire général des Nations Unies a dit, bon, on est en train de réformer et reformuler l'agenda des Nations Unies, mais ça doit être une reformulation fondamentale. En fait, vous avez dit que les choses ne fonctionnaient pas toujours très bien. On peut peut-être dire, voilà, tout d'abord, je suis très heureux d'être ici. Et donc, comme je suis un ancien ambassadeur, je peux dire ce que je suis toujours un Américain, mais il faut en fait clarifier les choses. Et donc, qu'est-ce qu'est le pouvoir de l'Amérique dans le monde? Ce n'est pas uniquement la question de l'économie et de la question militaire, mais il y a d'autres choses à ce niveau en ce qui concerne les militaires, les économies, les valeurs, ou ce qui en fait rend les choses plus importantes en ce qui concerne, dirons-nous, tout le débat en fait. Il y a toute une série de questions culturelles, les valeurs culturelles, il y a aussi toutes les valeurs, la démocratie, le marché libre et les droits de l'homme. Ce sont aussi des choses qui font la structure du monde international qu'on a construit après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas particulièrement géostratégique, mais c'est un peu tout ce que véhiculaient en fait les idées. Et en 2017, donc, il y avait dans le Washington Post une histoire assez intéressante sur le déclin de l'Empire américain. Mais d'après moi, dans cette perspective, ce qui est encore plus préoccupant, c'est de voir comment la Chine, le Brésil vont entrer en compétition donc pour cette place de leader économique. Et ce qui est très dérangeant aussi à ce niveau, c'est de voir et voir en fait comment les choses en fait vont évoluer, parce que lorsque nous avons fait un nouvel ordre à ce niveau, nous avons vu en fait que les choses ont changé et qu'il fallait reformuler l'agenda, comment allait être ton opérationnel, qu'est-ce qu'on allait faire. Et par rapport aux différentes menaces, par rapport aux droits de l'homme et par rapport aux différentes institutions, et voir tout ce qui se passe en fait en ce qui concerne les questions humanitaires en Syrie. En Syrie, et bien sûr, il y a en fait qui va être le champion de la démocratie quand on voit ce qui se passe en Chine ou dans d'autres pays. Et je dirais que c'est en fait la question fondamentale. Ce n'est pas ce qui va être important dans la technologie ou en ce qui concerne les multipouvoirs, mais ce qui va beaucoup changer la donne, c'est de voir comment pour la perspective de la prospérité et des participation. Et ma question pour Hubert est la suivante. La France a toujours eu en fait n'a jamais trop aimé cet ordre économique américain. Pourquoi les choses devraient-elles changer d'après vous? I will speak in French. No problem. Je vais parler en français. Not only about France. Pas uniquement à propos de la France. C'est un paradoxe que on commence à regretter l'ordre américain, puisque nous parlons de « unmaking of American order », on regrette l'ordre américain alors qu'il a été contesté tout le temps, en fait. Notamment par la France, mais par tout le tiers-monde et par des tas d'autres. Et même au sein de l'Occident, puisque dans les mémoires de Kissinger, il y a beaucoup de chapitres sur les différents transatlantiques. Donc c'est amusant de voir qu'en ce moment, bon, un président Trump qui déconstruit ce qui a été construit pendant des décennies, il y a une sorte d'inquiétude de la part des autres. Mais le problème n'est pas spécialement celui de la France, hein, c'est plus large.
Alors, il ne faut pas se tromper sur, d'abord, ce que fait Trump. Trump n'est pas isolationniste du tout. Il est unilatéraliste, il est brutal, il est vulgaire, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas isolationniste. Il veut pouvoir faire que ce qu'il veut en se dégageant de toutes les contraintes des relations multilatérales. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres puissances dans le monde qui ne veulent pas vraiment d'engagement. Et même quand ils signent des traités ou des protocoles, ils ont bien l'intention de ne pas les appliquer. Poutine, la Chine, la Turquie, Netanyahou, les Iraniens, c'est entre les deux, l'Arabie, etc., etc. Donc il ne faut pas non plus idéaliser l'ordre d'avant. Ça a quand même toujours été très compliqué par rapport à ça. Maintenant, nous avons donc un président américain qui détruit méthodiquement par ses paroles et par ses actes tout ce qui a été élaboré par les États-Unis, principalement avec la Grande-Bretagne et la France, après 1945, et puis après, dans la décennie 90, notamment avec l'OMC, transformation du GATT en OMC. Donc il y a une sorte d'organisation du monde qui était fondée sur les intérêts nationaux des États-Unis et des Européens, mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait quand même l'idée d'une organisation générale du monde. Et maintenant, Trump nous dit que ça n'existe plus. C'est un peu pour les catholiques, comme si le pape disait que l'Évangile, c'est n'importe quoi, on s'en fiche. L'Évangile, fake news. Donc évidemment, pour les Occidentaux du monde entier, c'est très, très perturbant. La question qu'on doit se poser, ici, nous ne savons pas si Trump va être réélu ou pas. Donc ça peut durer encore 2 ans ou 6 ans, Trump. Il y aura des gagnants et des perdants. Il y aura et ce n'est pas forcément des pays, parce qu'il peut y avoir dans chaque pays des gagnants et des perdants. Par exemple, on voit mieux maintenant que la mondialisation a été excellente pour les classes moyennes des pays pauvres et très mauvaise pour les classes populaires des pays riches. Ce qui entraîne d'ailleurs le décrochage, qu'on appelle le populisme, mais qui est un décrochage. Donc voilà le contexte. Dans ce contexte-là, on voit le début. Après la fin de la guerre froide en 1991, il y a 25 années un peu confuses, et maintenant je pense qu'on est au début d'un autre chapitre, qui est l'affrontement Chine-États-Unis, qui va être énorme, énorme, qui va toucher tous les domaines. Et tout le discours sur la communauté internationale, le système multilatéral, etc., tout ça est terriblement sympathique, mais ça va être pulvérisé par ça. Et c'est ça qui est devant nous, sur tous les plans, stratégiques, technologiques, etc., etc. Donc les questions qui se posent pour les autres, c'est-à-dire tous les autres, la plupart des pays émergents, la plupart des pays européens, la plupart des pays africains ou arabes, se disent « mais qu'est-ce qu'on devient, nous, là-dedans » Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de... Après la fin de l'ordre américain libéral d'avant, enfin libéral entre guillemets, c'est un impérialisme libéral, c'est mélangé, bon. Mais après la fin de ce système-là, qu'est-ce que peuvent faire les autres? Et il y a beaucoup de gens ici qui sont issus des pays des autres. Est-ce qu'on peut faire malgré tout de le multilatéralisme, c'est le terme prétentieux, en réalité, en termes simples, c'est la coopération internationale. Donc est-ce qu'on peut appliquer la coopération internationale en matière de développement, en matière de climat, en matière de biodiversité, enfin, sur tous les plans? Est-ce qu'on peut faire tout ça sans Trump ou contre lui et contre les autres que j'ai cités? Une dizaine de puissances qui ne veulent pas jouer ce jeu. Et je crois que c'est l'avenir de l'éventuel nouvel ordre se joue là. Et même, je ne sais même pas s'il y aura un ordre, d'ailleurs, Guterres, l'excellent secrétaire général des Nations Unies, nous dit qu'on est dans une situation de chaos aujourd'hui. Chaos, ce n'est pas la guerre générale. Hein. Chaos, ça veut dire instabilité. Donc pour moi, le défi, il est lancé à tous ceux qui n'acceptent pas ce comportement des puissances et qui veulent quand même faire vivre la coopération nationale, internationale entre eux. Fantastic. Sir John, the UK has also been involved in building this order. A également été partie prenante à ce désordre. Que va-t-il advenir? Voilà, je pense que ce que nous sommes en train de voir, ce sont deux éléments de changement que Neil a mentionné, à savoir le shift de la puissance économique et
à la fin de la guerre froide. Les pays de l'OCDE, à savoir l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon, représentaient pas moins de quelques 67% de l'économie mondiale et ont mené ainsi les institutions internationales vers des décisions qu'elles voulaient prendre. Et donc tout le monde s'est imbriqué un peu là-dedans. Maintenant, avec l'ascension de la Chine, non, de l'Asie, pardon, la Chine est un grand changement, mais pas le seul. L'on peut voir la domination une réduction de quelques 50% de la domination de l'OCDE de nos économies. Donc c'est vraiment un changement équilibré à travers le monde. Deuxièmement, c'est la crise de la politique occidentale. Les gilets jaunes qui ont battu le pavé des Champs-Élysées, également ceux qui ont voté pour Trump en 2016, ce sont les mêmes personnes qui soutiennent le Brexit dans mon pays. C'est le même phénomène qui se répète de nouveau. Deux personnes qui pensent que leur subsistance est en péril, qui communiquent les uns avec les autres à travers les médias sociaux et les réseaux sociaux de manière assez facile, et de sorte que la tradition dans l'ensemble des pays démocratiques où des représentants sont ainsi élus et qu'ils quittent leur pays et qu'ils laissent les choses décanter et reviennent par la suite. Et maintenant, les visions, les attitudes, les préjudices, les demandes des gens ordinaires sont quelque part traduits, reflétés dans les gouvernements sans vraiment une démocratie représentative. Et c'est un changement, un grand changement maintenant que nous voyons s'instaurer. Et je voudrais dire, Reuben, également, il n'y a qu'un seul pays qui croit en l'exceptionnalisme américain, c'est les autres pays du monde le voient comme un grand pays. Et donc c'est notre ami qui a posé la question sur le changement climatique et le leadership américain sur le changement climatique. Je n'ai pas vraiment bien compris ceci parce qu'il n'y a jamais eu d'ailleurs de leadership américain en matière de climat. Les Américains étaient absents du débat depuis Kyoto jusqu'à Paris, 20 ans plus tard, et étaient avec le... Ils ont emboîté le pas pendant 2 ans et puis pour mieux reculer par la suite. Donc c'est une fiction. Permettez. Alors, où est-ce que nous... Qu'est-ce qu'il va advenir de la situation? Alors, Neelam, justement, vous avez dit que cet ordre qui a été établi il y a de cela 70 ans, reflétant justement la puissance et qui a mis donc l'ordre à travers les Nations Unies, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, etc., etc. Je dirais que c'est vraiment ceci est en train de diminuer en raison de 2 facteurs. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont très lents lorsqu'il s'agit de lever le pied sur ces terrains conquis, et si bien que si nous n'adoptons pas nos organisations, elles vont péricliter. Ce que nous sommes en train de voir, c'est que l'ordre mené par les États-Unis avec ce réseau d'alliances, tout particulièrement en Europe et de l'Asie de l'Est, mais également ailleurs, est en train d'être remplacé par justement une rivauté entre pays, notamment de par la Russie, par la Chine, l'Europe, le Japon également, ce sont des puissances économiques. Mais nous sommes en train de passer d'institutions multilatérales et également de pays façonnant le pays, où maintenant la puissance c'est la force, et que justement le pouvoir est surtout asserti ou raffermi. Neelam, je suis d'accord sur l'accord sur les négociations. Nous n'avons eu en réalité que 2 ordres mondiaux, à savoir l'un au lendemain donc des lois de guerre napoléonienne, mais également après la Deuxième Guerre mondiale qui a été jusqu'à 70 ans. Et le vrai danger de par le monde, c'est ce nouveau ordre mondial n'émergera qu'une fois que le monde, malheureusement, sera proie aux conflits et aux tensions. La transition britannique vers celle des de moult manières, nous étions les mêmes, finalement. Et en fait, la littérature américaine comprend le Shakespeare. Et le système, justement, américain, c'est le système britannique transposé à l'américaine. Dans un certain sens, il y avait
c'était anglo-centré, tout ceci. D'ailleurs, que la Grande-Bretagne avait mené au 19e et les États-Unis au 20e siècle. Donc, c'est là un shift de puissance entre deux cultures qui, le plus souvent, a donné lieu à des conflits. Gray Malison's, d'ailleurs. Alors, d'abord, deux choses. Je réponds à la question relative au changement climatique. Et ça, c'est vraiment le défi le plus important sur le plan diplomatique actuellement auquel est confronté le monde. J'ai lu il y a quelques semaines cela comment le MIT a dit qu'il y avait en fait qu'il fallait réguler l'activité solaire beaucoup plus facilement que changer le comportement humain, etc. Bon, c'est un petit par les cheveux, je vous l'accorde. Mais le problème, c'est que aux États-Unis, où vous avez également ces grands incendies en Californie, les ouragans qui frappent l'État de la Géorgie, etc., etc. J'espère que, comme d'ailleurs l'a dit Churchill Woodchill, les États-Unis feront ce qu'ils il faudra faire après avoir essayé toutes les autres options. Alors, pour être un peu plus précis à cet égard, d'abord, je ne pense pas que c'est vrai que les Américains croient en leur propre exceptionnalisme. Bon, on peut dire la même chose de la Chine, mais le fait est que ce n'est pas tant que l'Amérique est fondamentalement différente, mais en tant que puissance, elle est au moins sur le plan conceptuel en train d'essayer d'établir ses valeurs. Et lorsqu'un diplomate avait posé la question comment vous pouvez défendre ces thèses, bah d'abord, il faut avoir cette conversation à l'intérieur du contexte américain. Et également pour redire tout ceci, la chose la plus frappante de la présidence de Trump dans le contexte de la politique africaine, c'est son discours inaugural durant lequel il a parlé de America First par rapport à sa toile de fond, à son contexte, à cette vision plutôt noire. Et je puis vous dire également à la lumière de mes discussions à Washington avec les démocrates et les républicains que la manière dont ce président est en train d'établir et de faire asseoir les intérêts des États-Unis ne vont pas donner de bons résultats, notamment vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Hier, le Sénat a rappelé à l'ordre Trump concernant son parti pris pour Ben Salman. Donc, ceci est... Si l'on met l'accent sur les différences de points de vue, ça et là, je comprends. Mais il existe un certain nombre de valeurs qui guident notre politique étrangère. Et ma question, à mesure que nous avançons, abondons vers un nouveau monde, comment allons-nous le faire, quels que soient justement les autres ordres basés sur le pouvoir, en prenant en considération les valeurs occidentales qui sont acceptables pour une grande... Alors, Valen, maintenant... Alors, je voudrais ajouter deux éléments. D'abord, l'une étant que tout un chacun sait que nous devons d'abord comprendre Trump plutôt que juste le critiquer et le blâmer pour tout. Primo, est-ce que tout le monde sait que Trump n'avait pas été élu pour être le président des États-Unis? Il a eu, en fait, eu plus de votes que ce à quoi il s'attendait. Pourquoi il est le président des États-Unis? Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis... C'est le collège électoral qui élit le président plutôt que le peuple. Alors pourquoi est-il tellement facile pour les Américains et les démocrates et les congrès et le Sénat et autres que de manière continuer à blâmer Trump ou la Russie ou tout un chacun plutôt que d'essayer de vraiment savoir et de mettre le doigt sur ce qui ne tourne pas rond dans leur institution? Et donc, à travers ce phénomène, nous savons que Al Gore a pu avoir plus de votes que Bush lors de l'élection au début de ce siècle. Mais personne ne voulait lever le lièvre et donc toucher au collège électoral. Et il en a été de même pour les institutions multilatérales. Vous savez, l'institution Bretton Woods aurait été tellement mieux si le FMI ou la Banque mondiale avaient vraiment
dit au président américain, bah, écoutez, pour aurait été contre le protectionnisme américain en matière commerciale. Nous, il faut voir ces institutions, pourquoi élisent-elles des personnes qui devant être des démocraties qui sont antidémocratiques ou alors pro-Brexit ou. Et puis, pour ce qui concerne les valeurs démocratiques, je voudrais dire que ce fut le président Obama qui avait alors dit que tout le monde, bien sûr, pense qu'il est exceptionnel. Pas seulement les États-Unis, tout le monde pense, tous les pays pensent qu'ils sont exceptionnels. Je voudrais dire qu'un pays comme l'Inde, avec une plus grande, beaucoup plus grande diversité, plus de complexité raciale, religieuse, des centaines, une centaine de langues, a également voulu chercher à préserver la démocratie, à rester démocratique avec des hauts et des bas, avec les échecs intrinsèques, plus de succès que d'échecs, mais pourquoi est-ce seulement pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un type de démocratie qui serait bon? Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'on a refusé de prendre note des conséquences du colonialisme, ça n'a pas non plus pris en considération les conséquences du racisme qui a accompagné la colonisation de pays africains, asiatiques, latino-américains. Bon, elle aurait traité ces cas-ci, elle aurait eu plus de crédibilité pour les non-Ouest. Alors, Hubert, est-ce que c'est la faute de Trump, en tout et pour tout, ou seulement la faute de Trump? Vous ne puissiez prendre la parole, je voudrais faire un petit vote. Allez-y, monsieur, allez-y, plutôt. Trump est un symptôme. Ce n'est pas la cause. Il n'aurait pas pu être élu s'il n'y avait pas eu... Bueno, Trump no hubiera podido ser elegido. Non. Symptôme, il est une... En même temps, ce n'est pas une parenthèse. Et par son comportement, il aggrave les phénomènes dont nous parlons. Il les précipite. Et puisque nous parlons de la reconstitution d'un ordre, après l'ordre américain libéral, je voudrais rappeler que... Quisiera recordar que eso se dijo a nuestro amigo... Il n'y a jamais eu d'ordre mondial négocié. Les ordres, quand il y a eu un ordre mondial dans l'histoire, c'était les vainqueurs. 1815, 1918, 1945. Avec des résultats variables, en fait. Et ça se reproduira jamais comme ça. On ne va pas attendre une troisième guerre mondiale pour que les vainqueurs fassent un ordre mondial intelligent. Donc il faudrait négocier. Mais on n'a jamais fait ça. Jamais. Si on prend le climat, l'accord de Paris, excellent, ça a été dit, c'était dû à l'engagement, non pas des États-Unis, mais de Obama personnellement, et des Chinois qui avaient bougé par rapport à ça. Donc il y a quelques cas où on arrive à fabriquer quelque chose, mais ce n'est pas une organisation générale. Et comme ça a été rappelé aussi, cette phrase géniale d'Obama, qui a eu le courage de dire que les États-Unis se considèrent comme exceptionnels, mais tous les peuples se considèrent comme exceptionnels, bon, est-ce qu'on peut arriver à organiser une négociation entre tous les peuples exceptionnels, qui considèrent qu'ils sont les seuls à comprendre ce qu'il faut faire? C'est très compliqué. Un jour, je parlais avec Henry Kissinger, il y a quelques mois, et il m'a dit, mais finalement, Obama n'avait pas compris l'Amérique. Et j'ai dit, oui, mais je crois qu'il avait compris le monde. Et le problème est là. Donc, est-ce qu'on peut organiser, sans que ce soit les vainqueurs, mais simplement les partenaires du système mondial à construire, une négociation sur des nouvelles règles? Ce n'est pas évident. Ce n'est jamais arrivé avant. Jamais. All right, fantastic. Now I had a question. J'ai maintenant une question que je voulais vous poser, et d'ailleurs qui est derrière vous sur l'écran. Nous avons parlé un peu de l'ordre américain. Et voilà, donc, voici, est-ce que vous allez parier votre voiture, votre automobile, que les États-Unis seront le leader du monde dans 30 ans? Et maintenant, c'est maintenant, et à vos votes, s'il vous plaît. Ah, sur l'application. Ah, donc voilà, vous l'avez fait sur l'application. Bah écoutez, si vous avez téléchargé l'application, bah écoutez, c'est le moment de voter, à moins que vous l'ayez fait. Puis-je ajouter ceci? Oui, oui. Le microphone fonctionne. Oui, dis-moi. Je voulais juste capitaliser ce qui a été dit avant moi, car je ne pense pas que le déclin
de l'autorité américaine à travers le monde, à commencer avec l'élection du président Trump. De plusieurs manières, avec le bénéfice du recul, avec les derniers événements, c'était vraiment le surplus, la surpuissance du pouvoir américain, notamment en Irak, qui a donné lieu, qui a mené à ce crash financier en 2008. Ces deux éléments, donc, c'est vraiment là un standing américain trop basé sur la confiance. Et maintenant, pour revenir à l'administration, plusieurs d'entre nous admirent Trump pour sa capacité financière, mais malheureusement, il n'a pas pu travailler ou coopérer avec les alliés du Moyen-Orient, des États-Unis, et il n'a pas pu justement rester dans les lignes rouges américaines auto-imposées en Syrie. Et aussi, ce furent là ces deux échecs par Obama qui, finalement, a mis en branle le non-respect envers les États-Unis, ce qui a été diligenté ou rendu encore plus rapide par les États-Unis. Et donc, c'est vraiment l'idéologie vulgaire américaine trumpiste. Et c'est vraiment là, ce sont des problèmes réels, que ce soit l'échec de l'Europe de mettre en place sa propre défense à travers l'armée, ce dont nous avons parlé ce matin, ou alors c'est le refus de la non-capacité de tenir tête à la Chine et au niveau du commerce mondial, ou est-ce que le fait de traiter comme il faut la crise nord-coréenne, a-t-il bien traité ces éléments-ci? On ne sait pas. Mais nonobstant ceci, il a traité des questions sérieuses tout en ignorant les institutions internationales, et ceci a accéléré davantage ce retour des États-Unis à revenir un pays normal, sans sa puissance d'antan ou d'aujourd'hui encore. Donc, est-ce que les États-Unis resteront les États-Unis d'aujourd'hui, resteront les États-Unis dans 30 ans? Voilà, donc c'est un pays qui concurrence comme État-nation avec d'autres pays. Et ce que je pense, c'est que la structure des institutions internationales va décliner de manière progressive en raison des négociations que Neil et Huber ont fait référence aussi, qui probablement ne vont pas avoir lieu. Mais ce que ceci va exiger, c'est toute une série d'autres pays européens, latino-américains, africains, qui ensemble travailleront, coopéreront pour mettre en place un ensemble de règles et de valeurs sur la base desquelles travailleront ensemble, de sorte que nous puissions avoir une plateforme globale collective où on traitera le triptyque Russie, Chine et États-Unis, qui seront traités et perçus comme États-nations égales. Et donc, nous devons asseoir les fondements institutionnels et sur la règle de l'état de droit, et bien sûr, sur la base duquel nous pourrons travailler. Alors, Willem, je voudrais ajouter ceci. Des fois, c'est un peu sceptique lorsque je dis ça. En fait, notre histoire remonte bien avant la domination occidentale, européenne. Il y avait des pays auparavant, avant la colonisation, il y a eu les civilisations avant celle-ci. Donc, il y a toujours justement, oui, le nouvel ordre mondial. Mais la raison pour laquelle il y a eu des nouvelles mondes et les guerres, c'est parce que nous avons été tirés dans celle-ci comme colonies. Nous n'avons pas voulu le faire. Les colonisateurs européens ne voulaient pas l'entendre de cette oreille. Aussi, rien ne se produira sauf ce qui s'est produit auparavant en Europe. L'histoire européenne ne détermine pas la trajectoire de tout le monde. L'histoire est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante que celle de l'Europe ou du nouvel ordre ou du nouveau monde. Alors, je vais vous demander. Alors, 55% des personnes qui sont ici dans cette salle ont voté. Et est-ce que vous êtes prêts à laisser tomber votre voiture ou Ah non, non, je n'ai pas de voiture et je n'ai pas voté de toutes les manières. Bah, écoutez. Oui, on ne va pas ouvrir une autre page de conversation ici. Mais c'est la question. Est-ce que nous allons continuer à être la superpuissance militaire, économique, financière que nous sommes aujourd'hui dans 30 ans? Ou est-ce que nous pensons que justement il y a justement un moment où il va y avoir un déclin, ou alors il va falloir renégocier un nouvel ordre mondial dans lequel d'autres pays vont également compter? Et j'appelle de ceci de mes voeux. Mais je ne suis pas convaincu que ceci sera le cas.
effectivement, regard. Alors, autre chose que je voudrais vous poser comme question, la question était, si vous pariez votre voiture, maintenant, si les États-Unis cessent d'être le leader du monde, alors, adonnons-nous à cet exercice avec donc le cloud, qui pensez-vous serait le prochain actuel États-Unis, si ce n'est pas les États-Unis, dans 30 ans ou bientôt, vous avez donc le cloud et vous allez, selon vous, s'il vous plaît, dire quel sera le leader. Non, 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 pas deux réponses, juste si c'est par exemple l'Union européenne, vous mettez l'UE. Si ce n'est pas les États-Unis, qui continuera à être le leader du monde, lequel serait-ce parmi ces différents pays, donc, au dispositif de vote ou du moins sur le cloud? Canada. See, I'm missing Brazil. Ah, le Brésil apparemment ne paraît pas parmi les pays. Bon, la question maintenant, Hubert. Oui. All right. Bon. Now the question. La question à Hubert avant que nous continuions. À quoi ressemblera le monde si la Chine était maintenant sur le siège du conducteur ou le leader? Il n'y aura pas de. The question is, what would the world be like? Alors, voilà. Donc le monsieur retraduit la question vers le français, vers l'anglais du moins. Je pense que le chaos va continuer en fait. Uh-huh. I think that. Je pense que les États-Unis ne redeviendront jamais le maître du jeu. Je pense que les Occidentaux, globalement, non plus. La Chine, non plus. La Chine a une ascension extraordinaire qui va provoquer des réactions. Les émergents entre eux ne sont pas d'accord entre eux, en fait. Et donc, je pense qu'il y aura un système très compliqué, très confus, très durable. Et je ne crois pas qu'il y aura une puissance qui sera l'équivalent des États-Unis de 1945 ou de la décennie 90. Même pas la Chine. Voilà. All right. What do you say, Neil? Merci. Qu'est-ce que vous en dites? La Chine, à quoi ressemblera le monde? C'est à moi que vous posez votre question. Oui, oui. Oui, un peu à l'instar de tout le monde, je dirais oui, la Chine. Mais j'espère que ce sera un monde plurilatéral, la dame dit plurilatéral. Et en réalité, les États-Unis continueront à être le pays militairement le plus puissant pour encore longtemps, longtemps. Mais déjà, la Chine est une économie plus grande, plus importante, en matière de parité, de pouvoir d'achat, et d'autres économies, comme l'indienne, elles sont en train de se rallier aux autres économies. Je suis d'accord que nous avons besoin d'un ordre et nous espérons que ce ne sera pas toujours à travers le prisme de la guerre. Et malheureusement, l'histoire nous dit que c'est plutôt à travers la guerre que ça se fait. Mais je ne prévois pas que la domination occidentale restera, ni d'ailleurs ne serait-elle, dans l'intérêt de pays comme le mien. En fait, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y aura pas de domination de pays occidentaux. Car au vu de ce de quoi nous parlons tous les deux, ce sur quoi nous sommes d'accord, mais je pense qu'il est important quand même de faire certaines remarques concernant la Chine. Car avec Deng Xiaoping et son leadership et ses réussites, la Chine allait dans une direction non seulement de croissance et de développement, mais d'intégration dans le système mondial et développer progressivement un système au niveau national qui est finalement contester différents points de vue, différentes idées. Donc ce qui s'est produit au cours des 5 à 6 dernières années, c'est que politiquement, la Chine a fait marche arrière, le pouvoir est concentré sous une personne et en fait les réformes profondes qui ont été introduites en termes de limites d'âge et autres ont été démantelées par Xi Jinping et ses campagnes anti-corruption étaient essentiellement un grand changement en Chine. Et d'ailleurs, il y avait plus d'autocratie en Chine. Si vous voyez un peu le risque que l'Occident a pris
en assurant une promotion de cette montée de la Chine, c'est que la Chine allait devenir progressivement plus ouverte et plus plurielle. Et c'est pas ce qu'on est en train de voir. Et nous voyons une nouvelle stratégie en matière de concurrence dont on a parlé dans la dernière discussion sur la stratégie américaine vis-à-vis de l'Afrique, de confronter la Chine en Afrique, en l'occurrence. Mais nous voyons également, et il s'agit pas uniquement d'un phénomène de Donald Trump, je ne pense pas très franchement que Donald Trump est capable de développer une stratégie mondiale, mais nous voyons quand même un consensus bipartisan à Washington, qui est de plus en plus partagé par les pays européens, que l'approche chinoise est dangereuse dans le monde et prédatrice aussi. Donc il faut faire très attention. Et quand on pense à un monde dominé par la Chine, il faut le mieux qu'on puisse espérer, c'est un monde qui est plus pluriel en nature, où la Chine, l'Inde, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, et dans une certaine mesure, l'Amérique latine, puisse agir de manière régionale et cohérente et coopérer ensemble, plutôt que de simplement lutter les uns contre les autres ou de se réunir sous un système mondial. Je ne pense pas forcément que cela va se produire. Nous allons plutôt avoir un système avec de grandes puissances, dans ce monde de grandes puissances, où en gros, les puissances militaires et les puissances économiques auront tout leur rôle à jouer. Mais est-ce que la Chine n'est pas le pays de la paix et de l'harmonie? Donc très brièvement, permettez-moi de conclure en disant que le scénario le plus probable, c'est que nous allons voir une grande compétition entre les grandes puissances. Et la vraie question qui se pose, c'est que si cette compétition, si elle sera fédérée ou façonnée par des institutions qui sont basées sur des valeurs plus larges, où allons-nous voir cette compétition qui inévitablement mènera vers plus de conflits, et ce qui mènera vers la nécessité de passer à autre chose qui nous pour finalement sortir de ces conflits. C'est ça la question fondamentale. Et forcément, ces institutions nécessitent un remodelage, et il faudra qu'elles soient refaçonnées, remodelées. Mais la réelle question sera si nous pouvons simplement avoir des superpuissances juste pour la simple question d'avoir du pouvoir. Et en fait, il y a aussi cette question-là, que ces institutions sont en train de se réformer elles-mêmes. Monsieur à l'arrière, donc nous allons prendre trois questions à la fois. Je vais parler en français. And what is your name then? Et pour essayer de l'interpeller, qu'il réponde à la question qu'il a posée, et les autres. En fait, il me semble qu'il y aura une compétition, pas seule, ça n'est pas entre la Chine et les États-Unis. Avant tout, entre deux types de capitalisme. Un capitalisme qui est représenté aujourd'hui par l'Amérique et qui est dirigé essentiellement par l'élément financier, et un capitalisme nouveau, chinois, où l'État est présent. Mais en dehors de ça, il y aura une compétition entre des espaces. Et cela nous intéresse, nous. Tout le matin, on a parlé de la Méditerranée et de l'Atlantique. C'est le berceau de la mondialisation dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a une autre mondialisation. C'est la mer du Nord et le Pacifique. Et puis, il n'y a pas que la Chine. La Chine, oui, c'est important. Mais il y a demain aussi l'Inde. Et après-demain, l'Indonésie. Trois pays qui étaient à Bandung. Essentiel. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, monsieur, certainement... Votre question, s'il vous plaît. La question que je pose à Hubert, c'est que, malgré le chaos, est-ce qu'en fin de compte, on va aller vers une bipolarité, ou plutôt, d'une façon ou d'une autre, une autre multipolarité, d'une autre façon? Merci. OK. Hold on that question. Donc, une autre question par là. Bonjour, je m'appelle Jessica De Alba.
et du Conseil mexicain des affaires étrangères, et je suis assez fatiguée de venir à ces différents forums et entendre Trump accusé de tout le mal qui se produit dans le monde, ce qui est loin d'être le cas. Donc, comme Monsieur le ministre a dit, c'est un simple symptôme, car nous avons Trump au Mexique, nous avons différents acteurs, nous avons les régimes en Europe de l'Est. Donc, qu'en est-il de notre réflexion? Comment est-ce que ces personnes se sont retrouvées au pouvoir? Oui, je ne suis certainement pas fan des agissements de Monsieur Trump. Et il dit beaucoup de vérités que très peu de personnes, beaucoup de personnes refusent de dire par peur d'être, enfin, parce qu'ils veulent rester politiquement corrects. Dernière question. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Ing Chung et je fais partie des jeunes leaders émergents. Et je voudrais revenir au vote où 55% des participants dans la salle auraient été prêts à parier leur voiture. Et si nous voyons les démographies de cette salle, il faut essayer de voir qui c'est qui va diriger le monde dans les 30 prochaines années. Ce qui était assez intéressant dans la discussion, c'est ceux qui feront face à la plupart des conséquences et des problèmes de ces dynamiques de pouvoir du monde à venir ne sont pas représentés et n'auront pas leur mot à dire dans le façonnage du monde à venir. Donc nous n'avons pas effectivement posé cette question aux jeunes leaders émergents. Donc qu'est-ce que le panel a à dire? Donc il ne s'agit pas uniquement de Trump. Donc cette nouvelle vague de populisme que nous voyons dans le monde, si je peux l'exprimer ainsi, s'agit-il d'une tempête ou est-ce que c'est comme le changement climatique? Je pense que nous voyons, c'est sûr qu'il y a un certain changement qui se produit. Donc le populisme en Amérique latine, pour répondre à notre ami de l'Amérique mexicaine, et en fait c'est un phénomène qui a été inventé en Amérique latine et on se retrouve avec des populistes de la gauche et puis d'autres de droite au Brésil qui revient au pouvoir. Et nous allons voir comment le continent gère cela. Je pense que c'est effectivement une avancée assez dangereuse, mais ça suit une certaine période où il est certain qu'au Brésil, nous voyons donc une décomposition de l'autorité, une corruption horrible. Et c'est une sorte de réponse populiste à cet échec de l'élite. Et le populisme dans tous les pays est une sorte de reconnaissance que l'élite s'est séparée du peuple. Et en France, d'ailleurs, les Gilets jaunes disaient que Macron essaye de sauver le monde alors que nous essayons de survivre, nous essayons de joindre les deux bouts d'ici à la fin du mois et de finir le mois. Et c'est ce qu'on nous entendons, c'est le même revendication dans des grandes villes en Amérique latine et autour du monde et aussi dans beaucoup de villes asiatiques aussi. Et l'une des problématiques que nous constatons autour du monde, c'est que cette mondialisation a eu un effet macro positif sur quasiment toutes les économies, mais le micro-effet au sein de chaque pays a été très différencié. Et en fait, l'élite et tous ceux qui réussissent dans le monde des affaires ont beaucoup bénéficié, et puis le peuple de manière générale n'en a pas forcément bénéficié. Donc, dans les démocraties développées comme les 4 pays représentés sur ce panel ou aussi dans d'autres pays qui luttent encore pour atteindre une démocratie institutionnelle dans les différents continents du monde. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a un problème dans toutes les démocraties au sens large du terme, à cause des réseaux sociaux, de l'information continue, de l'impatience des gens qui veulent des résultats tout de suite. Et je pense que c'est devenu à peu près impossible de gouverner les démocraties, en fait. Et encore plus de les réformer, c'est encore plus compliqué. Aucune entreprise privée ne survivrait plus de 8 jours dans les conditions dans lesquelles sont les gouvernements, avec une exigence très, très violente à chaque minute, avec un effondrement absolu de toute rationalité économique. C'est même impossible de discuter sur les faits. C'est même pas les fake news inventés par les Russes. C'est dans chaque pays. Donc il y a un problème très, très compliqué. Et la démocratie représentative, qui consiste à donner un mandat à un président ou à des députés, à le laisser travailler,
à juger sur les résultats, est devenu incompatible avec le fait que les gens, 3 jours après, 8 jours après, veulent tout changer, sont furieux sur ceci, cela. Donc je pense qu'il y a une espèce de crise systémique de toutes les démocraties, et même au sens large. Parce que même dans les autres pays, il peut y avoir des mobilisations par les réseaux sociaux ou sur Internet. Même en Chine, il y a quand même 600 millions de gens sur le système Internet. Tout le monde pense que c'est un progrès magnifique. Moi, je pense que ça peut annoncer une sorte de nouveau totalitarisme. Parce qu'il y a une sorte de, disons, le dirigeant totalitaire, c'est tout le monde. Tout le monde, en même temps. Donc on ne peut même pas aller assassiner le tyran. C'est tout le monde, le tyran. Donc il y a une réflexion à mener, et je pense qu'on ne peut sauver les démocraties, non pas par la démocratie directe, instantanée, qui serait la fin de la démocratie, une sorte de nouveau totalitarisme, mais par une démocratie participative, permanente, mais organisée. C'est pas évident. Un mot sur la première question de mon ami Ouellalou. En fait, je pense quand même que l'affrontement Chine-États-Unis, qui commence maintenant, va tout dominer. Je pense que c'est beaucoup plus fort, que le poids de la Chine est beaucoup plus considérable que l'Inde, même si l'Inde a un avenir gigantesque, naturellement, potentiel gigantesque. Mais ce qui commence maintenant, c'est-à-dire que Trump veut mettre un terme à la politique Kissinger, en gros. La politique Kissinger, c'est se mettre toujours d'accord avec la Chine, accepter ce que fait la Chine, parce qu'en théorie, ça va être bon pour l'Amérique et pour le système mondial. Il y a maintenant un changement. Trump veut essayer d'arrêter ça. Dans un premier temps, il peut marquer des points, parce que la Chine est vulnérable sur le plan commercial. Ça aura des conséquences à peu près partout. En fait, je ne sais pas si à long terme, ça peut marcher. Je ne suis pas sûr. Mais là, c'est un autre changement, en fait. Et on peut raconter tout ce qu'on veut sur ce que pensent l'Inde, l'Indonésie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Japon, etc. C'est secondaire par rapport à ça. Enfin, je suis triste de dire ça, hein, mais ça me paraît secondaire par rapport à cette espèce d'affrontement de géants, notamment sur le plan technologique. Parce qu'il y a une bataille entre les GAFAM et l'équivalent chinois pour le contrôle du reste du monde par rapport à ça. Et les Européens sont totalement hors jeu maintenant, déjà. Les autres encore plus. Donc c'est énorme. Ça va, je suis désolé, ça va contre ce que la salle a envie d'entendre, ça va contre ce que la salle applaudit sur le multilatéralisme, la revanche des pays qui ont été dominés par les méchants colonisateurs, etc. Bon, c'est tout à fait autre chose, en fait. Et vous n'allez pas voir la revanche de ce qui s'est passé de cruel dans les siècles d'avant. C'est autre chose. Et on n'aura pas ce que nous dit le théoricien singapourien Kishore Mahbubani, qui dit que c'est la fin de la parenthèse occidentale, et maintenant les autres vont s'organiser entre eux, d'une façon paisible, sympathique, coopérative, multilatéraliste. Ça ne va pas exister, ça. Donc c'est pour ça que je crains, moi, une sorte de confusion générale qui va continuer, dominée par l'affrontement des deux mammouths, États-Unis et Chine, et c'est pour ça que j'espère énormément que tous les autres vont réussir à s'organiser pour faire survivre la coopération internationale, quand même. Mm-hmm. Je l'espère, mais je ne suis pas sûr. OK, on this side. You and you, sir. Go ahead, let's start here, and then let's do 3 questions. Jawad Kartouti, Institut marocain des relations internationales. Je crois que le classement de la Chine dans les 30 années dépend de l'évolution de son système politique. Parce que ce qui a fait la force de la Chine durant ces dernières années, c'est un régime centralisé et des conditions sociales qui n'étaient pas très favorables. Alors, ma question aux panélistes, pensez-vous que d'ici les 30 années, le régime politique de la Chine restera le même, c'est-à-dire un régime centralisé, ou pensez-vous qu'il y aura une démocratisation du système politique chinois qui amènera peut-être une réduction de la croissance économique de la Chine. Merci. OK, good question, great question. Super question, merci beaucoup. Vous, monsieur? Bonjour, je m'appelle Toby
tout bien et je travaille avec le OCP, Policy Center for the New South. Donc en fait, il y a un point dont nous n'avons pas parlé, c'est la soft power américaine. Pensez-vous qu'il existe d'autres puissances qui pourraient mettre au défi les États-Unis à ce niveau-là? Je ne pense pas. Une autre question en français pour M. Vedry. La France a toujours essayé d'être un peu en porte-à-faux de la politique étrangère américaine, surtout avec le refus d'intervenir en Irak. Comment vous voyez la politique étrangère française évoluer dans le contexte de cette nouvelle compétition Amérique-Chine? Merci. Okay, all right. Any other questions? I need a female, a woman. Just... D'autres questions? Une femme, juste pour avoir cette égalité des genres. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au Royaume-Uni. Il faut avoir cette égalité des genres. Madame, je dois m'assurer que nous ayons une légalité des genres dans les questions. Bonjour, je m'appelle Hannah, de la délégation des jeunes. Et en fait, je me demandais si vous pensiez qu'on n'est pas en train de... qu'on laisse un peu pour compte l'Inde, mais il semblerait qu'on parle des États-Unis et de la Chine et qu'on ne parle pas tellement de l'Inde. Donc, redonnons la parole aux panélistes. Donc, je pense que la démocratie en elle-même est une question... Il s'agit d'une... Enfin, évidemment, il existe différentes définitions de la démocratie, différentes formes de démocratie, et c'est une des questions qui a souvent été soulevée dans la discussion, et puis notamment la question de l'inégalité et le chômage. Les institutions dans cet ordre dirigé par les États-Unis, post-Deuxième Guerre mondiale, eh bien... n'ont pas vraiment mené à cette égalité-là entre les pays et puis au sein des pays eux-mêmes. Donc, c'est les conséquences que nous voyons aujourd'hui de ces personnes qui revendiquent, qui protestent dans les rues, à Paris, au Brexit, ou les élections dans différents pays. C'est une conséquence directe de la frustration du peuple qui n'est pas en mesure d'avancer ou c'est aussi les conséquences du système prédatoire de la Chine. Eh bien, toutes ces questions-là, toutes ces problématiques-là doivent être intégrées dans les nouvelles institutions ou les institutions réformées dont nous parlons. Est-ce que l'Inde gagnera plus en importance? Oui, je pense, mais progressivement. Le rythme de croissance de la Chine était sans précédent. Eh bien, la taille de l'économie a doublé tous les 5 ans, tous les 7 ans. Et ça n'est forcément pas été le cas de l'économie indienne. Ça n'a certainement pas été le rythme de croissance de l'économie indienne. C'est certainement un pays qui est beaucoup plus diversifié. Forcément, la démocratie apporte sa part de contraintes. Donc, oui, je préfère vivre dans une démocratie plutôt que dans une économie qui évolue très rapidement, comme c'est le cas pour la Chine. Mais je pense qu'il est très important de bien comprendre que l'histoire n'est pas linéaire. Nous n'allons pas forcément suivre le cours de l'histoire comme auparavant, mais il faut qu'on soit préparé à confronter des aléas qui seront imprévisibles. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir dans 5 ans, dans 20 ans même. J'aimerais aussi parler de deux questions. Vous avez la question démographique que notre collègue a posée tout à l'heure et ensuite l'autre sur le soft power américain. En ce qui concerne déjà les jeunes, leadership des jeunes, il ne faut pas attendre, il faut prendre cette position de leadership dès aujourd'hui. Le président Macron est le plus jeune président en France qui a jamais été. Et le jeune président éthiopien, en fait, ils sont à peine plus âgés que l'assistance, que les jeunes que nous avons ici dans l'assistance. Et aujourd'hui, nous avons, à Washington, nous avons une des plus jeunes femmes qui a été élue au Congrès, en fait. Et les deux sont âgés de moins de 30 ans. À l'heure actuelle, des jeunes en Suède sont en grève, car ils ne pensent pas que leur gouvernement, de manière générale, se concentre suffisamment sur le changement climatique. Donc, si vous êtes passionné par quelque chose, eh bien, je vous implore de lever la voix dès aujourd'hui le monde ne peut pas attendre le monde ne peut certainement pas attendre. Et d'ailleurs, je suis en train de réécrire un livre sur le soft power actuellement, et en fait l'argument de base, c'est que Coca-Cola ou Beyoncé ou Black Panther ou en fait
toutes ces... en fait, vous avez toutes ces dimensions culturelles, si vous voulez, dans un sens. Et en fait, l'importance du soft power américain, c'est que nous avons... C'est la mesure du soft power, c'est la mesure de laquelle nous pouvons nous gouverner au niveau national. Et en fait, nous sommes de plus en plus impactés par cette tribalisation de notre politique. Et c'est le type de tribalisation que nous avons très souvent associé à d'autres pays dans le reste du monde. Et ce que je proclame, c'est que nous avons beaucoup à apprendre des conseils que nous donnons aux autres, et nous devrions plutôt appliquer ces conseils à nous-mêmes pour renforcer notre démocratie et ainsi renforcer le soft power américain. Et je pense que c'est ce qui se produit au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une publication dans l'Economist où, en fait, on passe de l'anglophobie à autre chose. En somme, on se moque de cette démocratie parlementaire qui se retrouve un peu bloquée dans toute cette situation du Brexit. Je voulais apporter le commentaire relatif à ce point concernant la Chine. Je pense que c'est une question très sage. La Chine deviendra-t-elle plus démocratique ? Nous avons appris à nos dépens pendant la dernière décennie de ne pas utiliser la boule de cristal. Mais je ne suis pas vraiment si optimiste concernant le fait que la Chine deviendra plus démocratique. C'est l'établissement d'un État sécuritaire beaucoup plus important, plus performant et d'ailleurs sur base technologique. En fait, un nouveau document, Ivan Noah Harari, certainement vous l'avez lu, son document, l'une de ses thèses consiste à dire que l'essence même du pouvoir durant les années, le 17e et 18e siècle, c'était justement le contrôle des terres et l'ère industrielle, c'est le contrôle des moyens de production. Celle du 21e, c'est le contrôle des données. Et les données, en fait, il y a trois modèles. Le modèle européen de compte en données, à savoir, c'est l'individu, la personne qui le contrôle, c'est le modèle américain, c'est les institutions, et le modèle chinois où c'est l'État qui contrôle vos données. Et si Harari a raison, le contrôle des données va vraiment être l'essence, la quintessence du pouvoir, en fait, si bien que l'on peut contrôler les activités et les comportements d'individus, de personnes, depuis le centre. Et c'est vraiment là un développement et une tournure des plus dangereuses vers, justement, et surtout qu'un État atteint ce niveau de contrôle, c'est très difficile pour permettre une démocratisation et une phase démocratique plus importante par la suite. Peut-être qu'il y aurait justement des changements. Je ne vois pas un changement de la Chine pendant les 20 à 30 prochaines années. Quoique, il est très difficile d'en connaître l'issue. Nous n'avons pas donné suffisamment d'attention à ce débat-ci. Et en prenant en considération la technologie, le contrôle des données dans un pays comme la Chine, le rôle des médias sociaux dans la manière de saper les démocraties dans les pays de l'Ouest, notamment en Russie, où maintenant nous voyons des groupes extrémistes qui ont beaucoup plus de puissance que d'autres. Donc le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, que nous serons confrontés pendant les 20 prochaines années, c'est l'établissement dans un monde virtuel d'un semblant d'ordre. Et nous avons fait ceci pendant les 20 dernières années pour un monde physique. Nous avons créé un monde tout à fait nouveau, virtuel, où il n'y a pas de règles de droit et d'ordre. Et si bien dans ce monde virtuel, c'est vraiment là le plus grand défi pour les années à venir. Monsieur Vedrine, voudriez-vous réagir ? Vite, très vite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. La bataille mondiale pour le contrôle des données, c'est la bataille de l'avenir. C'est déterminant, ça. En ce qui concerne les démocraties occidentales, je ne pense pas qu'on va voir un nouveau développement des démocraties à l'occidental. Il va peut-être se passer quelque chose d'original, mais je ne crois plus à une sorte de développement automatique par rapport à ça. Le soft power américain va continuer, mais regardez le cinéma en Inde, Bollywood, avec une influence extraordinaire qui dépasse l'Inde. Regardez le nombre de films produits au Nigeria, par exemple. Donc je pense qu'il y aura la bataille entre les soft power. C'est une autre bataille. Ce n'est pas un apaisement général du monde. C'est une autre lutte d'influence. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Et la dernière question sur la France. La France continuera, en termes de politique étrangère, à faire ce qu'elle a essayé de faire depuis des décennies.
quand la question numéro un, c'était comment être l'allié d'un mammouth, c'est-à-dire les États-Unis, il y a une formule française qui était de dire nous sommes amis, nous sommes alliés, mais nous ne sommes pas alignés. Et tout le travail était de donner un peu de sens au troisième mot, quand c'était justifié. Ça sera la même chose par rapport à n'importe quelle autre situation dominante, même éventuellement la Chine, puisque c'était la question qui était posée. OK, all right. You, sir? Vous, monsieur. Et je vais d'ailleurs finir par vous-même. Oui. Ça fonctionne? Oui. Louis Dadouche avec le Policy Center pour le New South. Il est inévitable, comme il m'a été donné de comprendre, qu'il va y avoir une concurrence, compétition entre les États-Unis et la Chine. Je voudrais justement attirer votre attention sur trois scénarios. Un, le primo, la guerre. Le deuxième étant une coexistence pacifique avec modulée, régulée par les institutions internationales. Et le troisième, c'est une guerre froide avec beaucoup de batailles par Et les options donc sont que la guerre, une coexistence pacifique qui sera modulée par les institutions internationales et donc une guerre froide avec toute une série de procurations, donc comme la guerre froide avec la Russie, donc trois. En trois, beaucoup de différentes propagandes à travers les moyens technologiques, la cybernautique. Et vous, Monsieur Vedrine? Trois, mais pas en même temps. All right, so we got a tie. You started. Let's hear what's your question. Vous avez donc démarré. Quelle est votre question? Et puis j'ai fini. Donc le panel a fini. Je voulais seulement demander donc quel était le rôle de l'État et même le rôle des organisations internationales et des différents forums internationaux, parce que vous voyons donc peut-être un nouveau rôle important dans le nouvel ordre mondial ou peut-être pas avec de nouvelles institutions. Je dirais que les organisations internationales seront plus fortes en Afrique. Nous avons en fait de l'espace pour cela et le renforcement donc de l'Union africaine qui devient plus forte, plus que les Nations Unies ou l'OTAN, et c'est la nature de cette organisation en Afrique qui va se développer. Je dirais donc une réassociation donc au niveau de tout ce qui passe de la souveraineté. On a vu donc des institutions qui ont fait que grandir et maintenant on recule face aux défis dont j'ai entendu parler des pays comme le Maroc, comme des pays africains, des pays européens ont besoin de mettre au point un système de coopération les uns avec les autres. Et cela, la Chine, la Russie, les États-Unis devront en fait se contraindre par rapport à... Dans la question en fait du développement et des différentes questions, nous devrons voir ce qui s'est passé. Quelque chose à ajouter? So that they remember. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit en ce qui concerne la technologie. Je voudrais conclure, et je suis un professeur en Chine, avec une phrase de Confucius qui a dit « Il ne peut pas avoir deux soleils dans le ciel et deux empereurs sur terre ». Et merci beaucoup. On va remercier le panel. Et maintenant, on passe à la pause. Okay, at 3:45. We'll reconvene at 3:45. Thank you. Oh, was it okay then? That's it. Thank you.